Ou pas? Bonsoir, comment vous allez? Vous allez bien? Bonsoir, Katilor. Bonsoir, la... le Tché. Le Tché Guevara. Mes respects. Bonsoir à Josiane Robert. Bonsoir, camarade. Bonsoir à Manu Bodio. Maman Manu Manu. On dit quoi? Savangue. Bonsoir, Henriette Angèle. Autorité Ignace Bishop Melchisedec Atia Normal. Bonsoir Antoinette Kofi, bonsoir Kage même. Yaziki Briga Oyuru, Griwa. Kamara Katiou Kadiatou, bonjour. Bonjour Soro Souleymane. Bonjour Divine Boiseau. Bonjour Franck Dignan, bonjour Edith Bailly. Bonjour Jacqueline Breka, maman Breka. Bonjour Davnash, bonjour Rose Grasse. Camarades, ce soir, on va juste faire un petit dégamage. Christine Ferrari, bonjour Christian Ferrari, bonjour Ozana Rameau. Ce petit dégamage sera un dégamage de quoi? Camille Irié, bonjour, bonjour. Melet Essam Hermans, yome Sobo, yome Lala, yome Ti, Malele yo. Irène, bonjour, Irène Lezou, bonjour. Bonjour Passi Mboa, bonjour Michel Gaudé, bonjour Serge Etimou, bonjour Maman Irène Kossa, bonjour tout le monde. Pupus, bonjour. Bonjour, Manu Bolo. Bojo, bonjour. Camarade, je fais ce petit dégamage pour mettre en exergue quelque chose. C'est non Yves Constant, bonjour. Bonjour, Biz, Sorgo, Justin. Bonjour. Bonjour, Raymond Allah. Biz, Sanogo, Justin, bonjour. Bonjour, Aya Hélène Boko. Opritek, bonjour. Bonjour, Antoine Kofi, bonjour. Bonjour, Blandine Flora. Bonjour, bonjour Ferdinand Beya, bonjour, voilà. Camarades, dans notre pays, il n'y a pas eu d'élection. Dans notre pays, c'est-à-dire dans notre forêt. Nana Diograph, bonjour, bonjour Louise Esmel, bonjour, bonjour Manu Bodio, bonjour Demaki Lériche, bonjour Bernadette Kofi, bonjour Antoinette Kofi, bonjour Yves Gamalé, bonjour Angé Dieu Baba, bonjour Martine Le King Aero, la gnonita, petit gnon, Mbédié Joli Garçon, c'est gâté, bonjour Stéphane Frémo, bonjour à Saint-Lucie Épouse Yapo, bonjour Béatrice Akou, bonjour Ferdinand Baya, bonjour Raymond Naka Alabilé, bonjour, 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 bref, c'est un dégamage, donc c'est normal. Camarades, dans la Côte d'Ivoire, Maoubier Mathias, bonjour, bonjour WGB, bonjour tout le monde, Toubaï, bon, c'est bon, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Dans notre pays là, le pays des éléphants, le pays du président Gbagbo, le pays du ministre Charles Bégoudé, le pays du président Henri Konan Bédié, le pays de Afi Nguessan, le pays de tous ces gens-là, il n'y a pas eu élection, hein. Il n'y a pas eu d'élection. Voilà. Pour investir quelqu'un d'un pays, il faut qu'il y ait au préalable eu élection. Dans le pays du président Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu d'élection. Mais il y a des gens là-bas. Là. Il y a des gens, c'est-à-dire nous, les hommes de la forêt, les éléphants, nous qu'ils appellent Boussmani là, nous que les gens appellent Bushmani, Bushmen, les gens de la forêt, nous. Nous les éléphants là. On a quoi à voir avec investiture ou travestiture de cheval? On n'a rien à faire là-bas. Qu'est-ce que la justice? Au plus la com, frère, les gens là, ils nous appellent Bushmani. Les Bushmani là, Bushmani, d'accord. Mais qu'est-ce que Bushmani fait
d'en faire d'investiture de cheval. Bousmane n'a rien à faire là-bas. Frère, en Côte d'Ivoire, notre pays là, nous on est dans la forêt, non? On est des éléphants. Mais qu'est-ce qu'un animal domestique a à voir avec les animaux de la forêt? Philippe Essigan, comment tu vas, ancien? Qu'est-ce qu'un animal domestique a à voir avec un éléphant? Frère, les animaux que vous voyez là, chaque animal a son lieu d'habitat. Chaque animal a son milieu naturel de vie. Il paraît que demain, des gens vont se faire travestir dans un campement, dans une cuisine. Il paraît. On a entendu le Congo ça. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Piment est brûlé. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Piment est brûlé. Quoi c'est brûlé? Où est brûlé? Où est brûlé? Brûlé. Ouattara est brûlé. Qui quoi? Ati mati ti mati. Mathias ça. Mais avant de continuer le dégamage, on va dédier une chanson à Fatagbe. Fatagbe, c'est la copine. Fatagbe, c'est la copine du cheval. On l'appelle Eve Louviane Draman Ouattara Alexis Colby. On va lui dédier cette chanson-là. Parce que moi, j'ai porté mon boubou pour aller à l'investiture, à la travestiture. Bonjour, autorité Brika. On va dédier une chanson à Fatagbe. Parce que leurs djembés sont gâtés. Leurs djembés, tout est gâté. Voilà des gens. Et ils disent, ils vont faire une travestiture. Des gens qui nous appellent Bousmane. Nous, on est Bousmane, c'est pas grave. Qu'est-ce que Bousmane a à voir dans l'investiture de cheval? Ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'un éléphant va aller faire dans la course de cheval? Cheval, porc, cabri et mouton. Qu'est-ce que nous, les éléphants, on a... Et puis en plus de ça, ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire qu'ils ont la grande gueule. Ils ont la grande gueule. Non! Les gens de la forêt là, c'est des peureux. C'est des lâches. Bon, nous, les éléphants là, on est des peureux, non? On est des lâches. D'accord. Mais pourquoi vous vous cachez pour faire votre investiture? Pourquoi vous vous cachez dans votre cuisine? Pourquoi vous vous cachez dans votre cuisine pour vous investir? Si on est des peureux, des animaux domestiques, chiens et cheval, porcs et moutons, vous allez vous comparer à des éléphants que nous sommes? Etienne, je t'appelle tout à l'heure. Je dédie cette chanson à Fatagbe, Madame Eve Lovian Draman Ouattara Alexis Colby. Je lui dédie cette chanson. Bon, on y va. Chambre gaz, on quoi? Fanta Draman, vous sauvez? Venez là! Oh! Fanta Bé, par respect! Fanta Bé! Fanta Diallo! Sweet, sweet! Fanta Diallo! Sweet, sweet, Fanta Diallo, ooh, ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Hey! Fanta shipping in the moonlight way. Fanta walking in. Cette chanson est dédiée à Fantagbe. Bonjour, mon général Ahmed. Fanta Diallo, Fantagbe, Fanta Draman, la berbéro juive arabe. Madame Novian Ouattara, est-ce que tu as préparé quoi? Madame Ouattara, maman tu es dans l'Afrique, tu as préparé quoi pour l'institut? On arrive, hein? Madame Ouattara, Eve Novian Ouattara, Alexis Colby, on arrive, hein? On vient, hein? On vient, les éléphants arrivent là-bas, hein? Est-ce que tu sais que les éléphants arrivent? Attends, j'ai appelé mon ami Étienne. Étienne, viens ici. On va aller, Madame Ouattara, Fanta Diallo va préparer pour nous. Il y a même là, hein? Camarade, je vais inviter le pasteur Bishop.
Fanta Diallo, on arrive là-bas, hein. On vient à l'investiture, hein. Madame Leviane, on vient, hein. C'est vers où même? C'est, on fait, où on fait l'investiture là? Étienne, bonjour. Bonjour, mon ami. L'investiture là, c'est où? Il y a même là, hein. Attends, 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 attends. Attends, j'enlève le. Madame dit quoi? Etienne, investiture là, c'est dans quel quartier? Hein? Investiture là, c'est bien où? C'est dans le garage. Investiture dans le garage. Entre deux voitures, trois voitures, tellement ils ont peur. Hein? Yannick, tu m'entends bien? Je t'entends très bien, tout le monde t'entend. On t'entend. Bon, je vais te parler à la dramatique. Ok. J'arrive, je prends ma porte. J'ai mon frère donc, tellement que j'ai peur de tout ce que les Ivoiriens sont en train de faire dans ces temps-ci. Voilà, j'ai préféré faire mon investissement tout souvent dans un petit garage tranquillement. Je sais que j'aime bientôt. Mais il faut que je mette en tant que président. Parce que si je mets en tant qu'ancien président, je ne sais pas si le paradis peut-être te bat, on ne sait jamais. De bureau comme ça, c'est dans le garage. Quelqu'un qui va malin matin, midi, soir, il dit que le meilleur président de la terre du monde. Et comment faire vestibule dans le garage? Ça, là, c'est pas honte. Etienne, c'est l'échec total. Mais toi, tu as le numéro de Fanta, non? Fanta Agbe, tu n'as pas son numéro? Attends, elle a appelé. Faut lui dire, attends, c'est vers où? C'est à quelle heure? La dernière fois, elle m'a envoyé. Allô, Fanta? Allô, Fanta Agbe? Et qu'à quelle heure? Bon, il t'a dramatisé. Attends, un petit tir. L'homme du Malo. Avec la question. Comment? Bon, c'est à quelle heure? Parce que vous faites les choses bizarres. Bon, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas c'est quelle heure. Comment on va envoyer du vin pour donner un drama? Un drama, un bois du vin. Nous, on fait comment maintenant? Ah! Non, tu ne peux pas me faire ça, Fanta. Tu ne peux pas faire ça. Mon frère, oui. Ça, me dit ici. Elle dit quoi? Elle dit qu'on a tellement 15 ans que le monsieur là, il ne dort plus. Que ça fait au moins 3 jours, 21 jours la diarrhée. Donc, s'il faut investir dans ça, là, si caca là commence à venir, on ne sait pas comment ils vont le faire pour aller aux toilettes. Donc, ils ont préféré faire ça à côté de la maison. Quand c'est chaud, ils peuvent rentrer pour faire la diarrhée. Bon, attends, je vais lui poser une question. Oui, demande-lui, Adjoumani, il vient à quelle heure? 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 Non, elle dit qu'à Djoumani, il sera là-bas en premier même. À Djoumani, c'est-à-dire que c'est lui qui nettoie les coins, nettoie les chaises, tout. Bah, lui, il est le caca du Dieu, c'est le bordel du Dieu. C'est-à-dire qu'à tout le monde, si, là, c'est lui qui nettoie. D'accord. Donc, à Djoumani, il sera le premier là-bas. D'accord. Tu vois, non, c'est ça qu'elle te dit. Mais, les autres chevaux, là, Big Togo, il vient à quelle heure? Le cheval Big Togo. Non, pour Bitogo, là, c'est compliqué parce que il a un problème avec les fesses. Avec les fesses, là, le poids a tellement grossi. Donc, actuellement, il a demandé s'il pouvait faire une petite opération. Ils sont en train de discuter, mais peut-être qu'ils ont trouvé une solution. Ils vont le pousser. Donc, lui, il va. Peut-être après, à Kumani, lui va venir voir. D'accord, mais avant de partir, Étienne, il faut me dire nous, on vient là, on a qu'à envoyer quoi à l'investiture? C'est bien où même? C'est bien où C'est bien où l'investiture là? Mon frère, ça là on ne comprend pas. Hein. Moi-même, Fanta Agbe me dit que c'est dans le salon. Bitogo dit que c'est dans le garage. Adjoumani dit que c'est entre les voitures. Donc moi-même là, mais je ne sais même plus. On dirait qu'il ne veut pas que nous on aille les voir. Hein. C'est-à-dire que nous on a acheté du vin, vraiment un bois du vin. Moi-même, j'ai au moins 3 casiers, je vais lui donner cadeau. Mais ils sont en train de nous casser les choses là. On fait comment? Bon. Donc là, bon, peut-être qu'après, ma sœur David va me dire. Donc pour le moment, là, la femme là ne me dit pas la vérité. D'accord, mais il faut lui demander, est-ce qu'elle a fait Kabato avec Dolor? Est-ce qu'il y a Kabato et puis Dolor? Parce que les saoulés là,
les Soule, les Ahmed, Bakayoko, les Amiral vont venir. Hein. Tu sais que c'est les petits, c'est nouveau. Non, si c'est pour ça. Non, si c'est pour ça, là, ça ne manque pas. Ça dit que Toro Chapalo, là, moi-même, je suis passé là-bas hier, j'ai vu un peu à un fantasme, on s'est retrouvé dans un petit ghetto là. Et tant de fois, mon couteau, elle est passée, elle m'a vu. Elle avait plein de capalots, elle dit que c'est pour l'investiture. Depuis un peu, si très capalots là, il y en a. D'accord. Comment même dans deux choses, pour la queue seulement, bah, ils ne tombent pas. Hein. D'accord. Ils ne tombent pas. Hein. Bon, attends, normal, avant de partir, les gens de Saint-Doux là, les gens de Saint-Doux là, ils vont venir quoi, en car ou bien en train? Puisque ils vont venir en car ou bien en avion, bien, les gens de Saint-Doux là. Non. Ils viennent dans avion spirituel. Hélicoptère, avion spirituel, chacun a son hélicoptère. Tu sais, les avions qui sont comme balai, on prend la nuit pour venir là. Voilà. Tu sortir, là. Il y a d'autres qui viennent comme ça, il y a d'autres qui vont. Et puis ceux qui ne sont pas spirituels, ils vont monter entre les moutons là. Tu sais, les moutons dans les gros camions là. D'accord. Ils vont monter entre les moutons vont chier sur le palais. Ils aiment les mauvaises odeurs. Mm-hmm. Ça les fait plaisir. D'accord, autorité. Attends, normal. Hein? Faut prendre ton vin, on doit aller à l'investiture là. Moi je suis déjà, je t'attends, faut venir, on va partir. À tout à l'heure. Donc on s'en va. Mais attends, je te dis quelque chose. Hein. Vas-y. On n'a pas fait attention. Hein. Ah bon? Parce que le monsieur là, il est devenu quoi pour pousser. Ah bon? Il est devenu quand poussé, hein. Parce que quand il est venu en France, là, uh-huh. On lui a dit quelque chose, hein. Mais il nous a pas encore dit. On lui a dit que, on dirait que, comment, là, Amaïde, you don't mind. Depuis la fuite, il est parti actuellement, là, on le brasse la nuit, on le débrasse la journée. On le masse la nuit. Et puis la journée, on le démasse. Elle dit qu'actuellement, là, il est entre des gens. Donc, mon cher, investiture, tu veux, on a eu là. Pourquoi on va aller voir cadavre là-bas? Ah bon, hein? Coro Maïloa. Coyo, poussé. Maintenant, il est devenu coyo, poussé. Ça va, si il tombe devant tout le monde là-bas, mon frère, on va avoir honte. Et même tu veux, on va même plus beau avant de venir. Bon, faut laisser le message à ceux qui sont en train de se préparer pour l'investiture là. Ton message, ils vont comprendre. Bon, ok. Mbalo, Toulakani, Ata, bon, mes chers frères, mon don du RDN. Avant, j'étais un mouton comme vous. Mais comme je suis d'une race pure, j'ai retrouvé mes origines de lion, d'éléphant et d'aigle. Je viens vous annoncer un message. Celui qui n'aime pas voir cadavre, il faut rester chez toi. Celui qui ne veut pas des choses compliquées, pardon, il ne faut même pas cesser à t'approcher. Les gars, ce n'est pas clair. Investis-tu dans garage, ça fait peur. Investis-tu dans terrasse, ça fait peur. Investis-tu, on ne donne pas adresse, on ne donne pas lieu. On reste en diminu, en caminu, en cassette, en petit contact. Méfiez-vous, parce que ce qui va se passer là, je vous ai prévenu, on ne sait jamais. Bon, moi, j'ai acheté du vin dans la ville pour rendre service aux gens. Je voulais donner juste des casiers, trois casiers. Mais comme on n'a pas donné adresse, il n'y a pas parlé au village. On va aller boire ça pour danser à Dost. Et puis c'est tout. Hein. Autorité, où est ton vin là? Avant ton vin, on va faire tchin-tchin. C'est des gamages. Où est ton vin là? On va faire tchin-tchin. Parce qu'on doit partir dans. Attends, comme j'étais rentré ici là, il y a son vin là, resté là. Il faut aller prendre vin là. On va faire tchin-tchin. Maman Sonaki Sonak, je t'appelle, hein. Je t'appelle tout de suite. On va kikiner. Je m'appelle Draman. Je suis devenu coyote poussé, mais je vais quand même faire mon investiture. Vous croyez que moi je vais mourir comme ça? Je vais mourir président de la République. Ah oui, parce que là où vous pouvez partir, c'est là-bas que moi aussi je peux partir. Donc, votre affaire de trucs là, si vous croyez que je vais vous donner, non, moi on m'a qu'à dire si je suis devenu président, après je peux mourir tranquille. Bon. Voilà mon divin. Attends, je te fais tchin-tchin. Attends, je te fais tchin. Alors, pour l'investiture, vas-y, fais tchin.
Mpa, frère. À l'investiture Koyok dans le garage qui sera une histoire inoubliable de la honte des rentrées. Ok. Non, mais avant de partir, il faut laisser un dernier message en Bablé là. Il faut laisser un dernier message en Bablé au président Bédié. Il faut dire au président Bédié où on fait investiture là. Il faut lui passer en Bablé. Attends, il n'y a pas mon divin là. Parle au président Bédié, il faut demander où l'investiture se passe en Bablé. Et puis on a fini. Baba Bédié. Appelle le président Bédié. Le président Bédié dit que lui-même là, où il est là, l'adresse là, on lui a caché. Hein? Que lui-même, il dit qu'on a voulu l'inviter, comme il a dit que tout le monde a cassé et réconcilié là. Ils ont changé l'adresse là, que lui-même il comprend pas. Donc, il est comme possible. Merci, Bishop. Merci, mon ami, à tout à l'heure. Oui. Oui, je t'aime bien. Tu sais, attends, je vais te donner un message dramatique afin que tu partes. Pardon. Okoshi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Président, tu m'entends? Président de la forêt, t'écoute. Attends que. Tu sais, Okoshi, moi je t'aime beaucoup. Hein? Je sais que tu es un bon combattant. God forbid. Mais je voulais te dire au revoir. Tout ce que tu as dit, c'est vrai, ça va arriver. Moi, mais je sais ça. Mais il a fait un bénéfice là quand même d'abord avant que ce que toi t'as dit arrive. Merci beaucoup. Hein. Merci. Au revoir. Si c'est. Etienne, si c'est un jus toi-même, God forbid. Toi, drama, toi et moi, on est camarades, tu me laisses un message pourquoi? Toi et moi, on est ami. Moi, on est un homme comme ça. Camarade, qu'est-ce que. Solaki et puis. Général, je vous appelle tout de suite. Hein. Frère. En fait, c'est un petit dégamage, c'est pas complet. Mais je veux que vous compreniez le message. Regardez ces papiers que vous voyez ici, là. Regardez ces papiers-là. Regardez bien. Les papiers que vous voyez ici, là. Regardez ces papiers-là. C'est... Ici, vous voyez l'armoire de la Côte d'Ivoire. Regardez. Est-ce que vous voyez même? Ce qui est vert ici, là. Ce qui est vert, là. Voilà. Ça, là. C'est République de Côte d'Ivoire. Dans ce papier-là, pour qu'il y ait travestiture, ce n'est pas investiture, merci Étienne, pour qu'il y ait travestiture, il faut, voilà. Au lieu d'aller apprendre à vos enfants à écrire, petit est bien là, il faut apprendre à tes enfants à écrire, hein. Hey, petit aide, il faut apprendre à ta femme et à tes enfants d'écrire. Parce que bientôt, là, vous allez partir remplir des papiers dans votre ambassade. Tu as compris? Passe le message aux autres. Petit aide, il faut apprendre à tes enfants et puis à ta femme à écrire. Bientôt, vous serez obligé de remplir des papiers dans votre ambassade. Donc, au lieu de venir écrire sur mon direct, il faut apprendre à ta femme et puis à tes enfants à écrire. Comme ça, quand on dit payer, vous partez dans votre ambassade. Ils vont savoir écrire. Sinon, si vous restez en train d'écrire sur nos directs là, le jour où on va commencer là, ils ne seront pas écrits. Ils ne seront pas comme on écrit leur nom. Donc, il faut les apprendre à écrire et à lire. Parce que bientôt, ils vont être dans l'ambassade. Tu as compris, petit RDR? Voilà. Camarade,
Ce papier-là, ici, on dit accueil et installation. j'appelle la plus belle Sonaki Sonak. Hé, en main générale, faut t'apprêter, je t'appelle tout de suite. Voilà. Excusez-moi, hein, je l'appelle Sonaki Sonak. Sonaki Sonak, elle va nous parler en baoulé. Je vous donne le programme de l'investiture pour que tout le monde puisse être là-bas. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore. Ils ont changé le programme, hein, j'ai oublié de vous dire. Ils ont changé le programme. Coucou Sonaki. Coucou. Ils ont changé le programme de l'investiture. Ils ont changé le programme. Voilà. J'ai tout ça. Ils ont changé le programme. Cérémonie solennelle de prestation de serment. Son président des chevaux, Drama Ouattara. Maman Sonaki. Bonjour, tu es en direct. Ça va, Angé? Ça va, moi c'est mon beau gosse à moi, comment tu vas, le plus beau. Mais on fait comment? Et l'investiture là, tu es prête, on va partir? Ah, voilà, je n'ai pas été invitée, mais j'aimerais vraiment me forcer, voilà. J'espère que j'aurai accès au palais présidentiel. Ça se fait où exactement là? Dans le bureau ou sur l'esplanade? Bon, hier ils avaient dit... Hier, ils avaient dit qu'ils allaient faire ça à l'entrée. Victor Hugo dit qu'ils ne seront pas beaucoup. Mais maintenant, où là, il n'a pas vraiment précisé. Il dit que c'est à l'entrée de la présidence, où on met les voitures du président là. Bon, après, on dit de changer. Donc, on ne sait pas où c'est. Donc, je voulais voir si on t'avait invité aussi. Non, je n'ai pas été invité. Bon, j'aurais bien voulu être invité comme ça. J'allais quand même aller voir de mes deux yeux, puis pour voir les conditions dans lesquelles. Président élu avec les 7%, voilà, les 7% de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais bon, malheureusement, mais j'aimerais m'inviter en fait. Donc, comment on va faire? Donc, comment on fait? En tant que membre de la Dream Team et puis combattant, comment on fait? Faut qu'on soit là-bas quand même pour aller se faire, pour aller faire les travestis. Oui, bien sûr que oui. Normalement, on doit s'inviter nous-mêmes. Même si on ne nous invite pas, nous, on peut s'inviter, en fait, à cette... On est une investiture, non, c'est ça? Oui, c'est ça, une travestiture. Non, pour lui, là, c'est travestiture. Parce qu'il travestit une investiture. Donc, c'est une travestiture. c'est dommage, en fait. Donc, moi, je pense bien que j'y serai, hein. D'accord. Bon, un bien avis, ça veut dire que moi, si je dois quitter Paris, Là, il est à l'heure, là, je dois quitter Paris aux environs de 21h, au grand plus tard du matin, je suis à Abidjan. Hein. Ok. Et puis, bon, ça peut tourner en plus. Donc, voilà. D'accord. Pour l'investiture du président, non pas du président, pour l'investiture du chef de l'État, voilà. On ne veut pas qu'on en fait président comme ça, du chef de l'État. Ça serait pas mal, hein. Okay. D'être là-bas demain aux environs de 7-8 heures et puis voilà, représenter la Dream Team entre JV si possible. Comme ça, je ferai un reportage en long et en large et pour donner du bon voilà, à l'investiture du chef de l'État. Voilà. Merci. Mais dis-moi, Maman Sonaki, il faut passer un message aux mamans qui sont dans les villages en Baoulé. Parce qu'elle comprend, elle ne sait pas où c'est, elle veut partir aussi en car. Elle ne sait pas comment on fait. Un message en bété ou en baoulé, c'est toi qui choisis. Il demandait qu'en créer amour. Il a quoi
bakao en kumbeo en voisin assez nan kala mukaino am voisin assez de flam ke akan de flam ke akan sa da fe ke wa we am voisin assez sa mo on ja so me bona ko ko ni abe o ko ni abe me am voisin assez si nan mo am ko yo na ye me pri e su e sininge e ni mo e sininge Bisous, on s'attend à l'aéroport. On se trouve à l'aéroport pour aller à la travestiture. Bon, attends, on va claquer un peu le vent. Oui, attends, je me sers. Le vin de l'investiture, attends, faut pas boire toi seul. Voilà, où est ton vin? On y va, Solaki, envoie ton vin là. Tchin. Faut te servir là. Sers-toi, faut te servir. Voilà, Bisous. Hey, merci la plus belle. Bon. Bon, camarade, vraiment, je ne sais pas, l'investiture là, nous, on ne sait pas où c'est. Tonton Oyuru Brika, attends, je vais appeler mon doyen. Oyuru Brika, lui, il doit savoir où ça est. Oyuru Brika, il doit savoir où l'investiture se trouve. Allô, toc, bonjour, doyen. L'investiture là, c'est vrai, où j'ai appelé mon doyen, lui, il sait, il connaît les choses comme ça. Le doyen Oyuru, il sait où l'investiture se trouve. Doyen, je t'appelle pour décrocher. Parce que comme lui, il a des amis à la présidence. Donne-moi le numéro, l'Adi Shérif. Je vais l'appeler pour lui demander où est l'investiture. Doyen Oyuru, c'est moi qui t'appelle pour décrocher. Attends, j'ai un ami RDR là. Excusez-moi, hein. J'ai un ami RDR, je vais l'appeler. Elmouv Fofana. Elmouv. Ah non, j'ai appelé chose. Attends, j'ai appelé chose, il doit connaître. Lui là, il doit connaître. Il va connaître. Il doit connaître où ça est. Bonjour les gars, c'est un petit dégamage, hein, c'est pas important. Hein. Général. J'appelle. C'est un sourire, lui, il doit comprendre la raison des amis. Bonjour mon général. Ouais, champion. Bon, assois-toi là, je vais te mettre en direct là. Assois-toi bien. Bonjour mon général, comment tu vas? Ça va très bien. Mais les Ivoiriens disent de t'appeler parce qu'on ne sait pas où l'investiture là, c'est à quelle heure, c'est où. Donc c'est pour ça qu'on t'appelle. Honnêtement, c'est même pas dans mon programme. Parce que pour moi, c'est un des phénomènes. Voilà. Donc, à part le 14. Que j'ai retenu pour l'investiture folklorique, je n'ai pas d'autres informations dessus et je ne cherche même pas à comprendre. Voilà. Mais comment toi, le grand général de la vie, si tu n'es pas informé, c'est que c'est pas la peine. Mais je te dis que pour tout ce qui concerne Ouattara, moi je n'ai aucune considération à cela. Mm-hmm. Voilà. Merci là-bas. Parce que pour moi, c'est un épiphénomène. Tout à fait. Je n'apporte pas d'importance à ça. Voilà. Ce que moi, je dis bien. Je sais que nous sommes dans une phase de transition en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et nous cherchons les voies et les moyens pour mettre notre État, hein, vraiment, si
une bonne voix, mm-hmm. une bonne transition. Mm-hmm. C'est tout. Merci beaucoup, camarade. Sinon, tout le reste là, comment on appelle, chose, investie ou bien quoi qu'on parle, ça ne m'intéresse même pas. Merci. Je te dis en toute sincérité. Ok. Voilà. Alors, camarade général, faut passer un message à Malinké, à tes parents, pour leur parler de du travestitude, là. Tout le monde t'écoute. Dans ton ethnie, hein, vas-y. Bon. Bon, je vais parler en gros. Hein. Vas-y. Alors, Kafoua, Badimouniré, Ouattara, ta constitution est violée. Ouattara, ta constitution est violée. Ka Moron Fara. Ka Moron Fara. Ka, comme pouvoir partir de Babro. Militaire ou Babro, voilà, avec pollution contrôlée là. Donc, Ouattara, ka Mouron Fara, ka constitution violée, candidat Maké, Ouattara, qu'elle est à l'élection là. Donc, en TC Casson, Côte d'Ivoire, attends, général, attends, je l'appelle. Donne un Yuru, tu as coupé mon direct là. Général n'a pas entendu. Général, je l'appelle là. Voilà. Donne un Yuru, attends d'abord. Général, vas-y, vas-y. Parce que Jamana Kara Kassiri, Jamana Kara Kassiri, vas-y, les gars. Jamana Mi, président Mi de constitution respecté, président Pé. Voilà, parce que Jamana Demara, Fanat Demara, Mi Basité. Donc, Ivoirien au maçon, Vodi Maquet. Donc, Ouattara investiture. Voilà, pour force Slama Djamana, Slama Djamana Bétunyéne. Moi, maçon, Ani Babo Blala Nyona, ni Kélé Nikama. Rébellion Kéla, ni Kélé Nikama. Parce que Ouattara, quand moi, Babo a Ouattara, Babo Ngeira Ouattara. Pour que Ouattara pour élection, habité pour élection. Marfa Kala Koum Kama. Marfa Kala Koum Kama, Ouattara pour l'élection. Donc, qu'à fois un peu de ou n'y en est, que Ouattara m'a son mima, en m'a son mima, Ouattara voulait de quelle année. Donc, élection était sur ma quête, Jamana Kono, Ouattara avait fanga d'une, avait fanga n'y en est mal là, il va aller au maçon. Donc, au fond, il n'y en est, au père, il va enregistrer. Voilà. Donc, merci, mon général. Et bravo pour hier, bravo, tout le respect du peuple ivoirien à toi. On ensemble, camarade. Ouais, merci. Eh, le général, attends, je vais appeler Edith Denea. C'est une femme, c'est la 15e Yamboa. Edith Denea, la 15e Yamboa. J'appelle Edith Denea. Camarade, en fait, ce papier-là, on dit accueil et installation. J'ai tout ici. 7h30. 9h30, accueil et installation des invités. Bonjour, Maman Babo, comment vous allez? Bonjour, Kossissa. Maman Babo, je vais te mettre en direct. Hein. Okay. Tu es d'accord? Ok, vas-y. Mais on ne voit pas ton visage, c'est tes cheveux, on voit. Mais j'ai en train de couper mon gombo. Mais laisse Gombo là, les Ivoiriens veulent te parler, toi tu viens tu Gombo. Pour parler aux Ivoiriens, on doit aller dans. Attends, déjà je donne tout à. Attends, je donne tout à la Côte d'Ivoire là, donc il ne faut plus y manger. J'ai dit si je t'ai appelé, que à cause de Ouattara, c'est pour me parler mal là. Moi je coupe, hein, t'as compris? Tu es malade, Soula. Alou de la tenue. Samedi là, je prends ça pour donner ça à la Côte d'Ivoire. Alou malo, palico façon ni hein. Ça va pas chez toi. Allez, sois ta tête ici là, tu vas parler aux Ivoiriens. Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai dit, Edith, investiture là, tu viens pas? Bon, dis bonjour aux Ivoiriens d'abord. Bonjour. Maman Naomi m'a dit que. Maman Naomi dit, ils t'ont donné l'adresse de où on va faire travestiture de Ouattara là. Donc, les Ivoiriens ils ont donné l'adresse, on va partir là-bas. C'est où? Bon, je vais être franc avec toi. Moi, jamais ça m'énerve déjà. Ça m'énerve déjà qu'on va laisser Ouattara s'investir. Le mot là même ne plaît pas déjà. Mm-hmm. Ça ne me plaît même pas, même le mot là même, l'investiture de Ouattara, mais ça ne me plaît pas. Uh-huh.
Non, déjà, la question ne me plaît pas déjà. Déjà, depuis ma tête, je suis déjà énervé. Moi, dans ma tête, mais aller là, mais on devait dégager Ouattara au lieu de s'amuser, aller investir Ouattara. Je ne connais pas la route. Tu ne connais pas la route? Bon, faut parler au Yamboua, comme ça t'énerve. Toi, tu es dans un pays avec les gens. Le président Bédié dit, ou bien ce que Bédié a dit, tu n'as pas compris. C'est que les Gbagbo ont dit, tu n'as pas compris. Il dit que Ouattara, on l'a voté à 7 ou bien 6%. Donc, ce qu'il fait là, ça n'a pas de sens. Toi, ça t'énerve. Bon, ça ne m'intéresse pas. Faut parler au Yamboua là, c'est pour toi que je t'ai appelé. Parle au Yamboua là pour leur dire que le président Bédié dit qu'ils n'ont qu'à être prêts. Parce que ce que Ouattara fait là, c'est la comédie. Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas l'investir. Parle au Yamboua, tout le monde t'écoute. C'est ça qui m'intéresse. Sinon, ta colère, moi, ça va me faire quoi? Tu es malade. On doit la dénouer. Parle au Yamboua là. Ok, j'ai compris. Alors, que tu t'as ouvert, moi, à mon CEO. Enfin, oui, à l'époque, moi, à mon CEO. Petit modèle, Fima est brûlé, oui brûlé, oui brûlé, joli joli, faut m'envoyer, Citigo, je vais venir manger gombo là, je te fais quoi même, envoie-moi Citigo, je vais venir, faut me dire, Citigo là, je vais venir manger gombo là, c'est gombo avec quoi, on est dans l'investiture, hein, on est dans l'investiture, j'ai dit, Citigo pour venir manger gombo là, c'est comment? Non, je peux pas. Je découpe pour mettre dans le congélateur. Oui. Donc, Antoine, on est en train de faire. C'est pas investiture. Tu as raison. Écoute-moi, Edith. Ce n'est pas investiture, c'est travestiture. Je vais t'expliquer. Le président, il y a papier. Il y a papier qui est dans ma main. Il y a papier ça là. Edith, regarde papier ça là. Papier ça là. Dans papier là, on dit. Faut bien m'écouter, Edith. Faut pas te fâcher. Je sais que tu es une Ivoirienne, il y a beaucoup à qui ça fait mal, mais je vais t'expliquer. Moi-même là, j'étais énervé, non? Mais est-ce que maintenant je suis énervé? On dit, regarde ici là, où c'est en rouge là, regarde. Où c'est en rouge là? Quand le président des chevals, le président des chevaux va vouloir s'investir là, il va dire ça, écoute, hein, écoute ce qu'il doit dire, hein, écoute ce qu'il doit dire. Il doit dire, écoute, hein, voilà ce qu'il doit dire. Quand je finis de dire là, toi-même ta colère là va partir, écoute, hein, il doit dire, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution.
Maman Babo, toi maintenant tu attends ça là. Mais lui, il a toujours trahi la constitution. Donc déjà même, ça m'énerve déjà même. Ce mot-ci, il n'a jamais respecté. Voilà, c'est ce que je veux faire comprendre. Moi, tu sais pourquoi ça m'énerve? Les Ivoiriens, ils n'ont plus le temps à prendre l'argent, un mot aussi Draman. Et ils ne savent même pas le problème de la Côte d'Ivoire, de leurs petits-enfants, et même de leurs... Je n'ai pas encore fini de lire. Je ne sais pas comment dire le mot. Je n'ai pas encore fini. C'est pour ça qui m'énerve. Je n'ai pas encore fini de lire. Je sais qu'il ne peut pas le dire. Tais-toi, je n'ai pas encore fini de lire. Ton petit cœur de Yambo. Les Yambo, vous n'êtes pas beaucoup, c'est vous qui êtes nerveux. Vous n'êtes même pas beaucoup. Hein? Il y a toi, à moi d'Aki. Si on enlève toi, puis à moi d'Aki, c'est là. Vous n'êtes combien? Puis tu es énervé là. Toi, tu. Il y a même là. Hein? Ensuite, il doit dire de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de marchage dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse. Élite, faut quoi? Ah, hein? Donc maintenant tu es énervé pourquoi? Maintenant tu es énervé pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas ta confiance. Oui, mais le problème, mais il n'est qu'à sortir dans mon palais, il n'est qu'à dégager de là-bas. Je vais venir manger gabato là. Donc tu vas. Bon, Fouca là-bas, je t'appelle tout à l'heure. Allô, balico, façon. Chérie Coco, mon cœur joyeux, mon cœur il est joyeux. Bisous. Laisse-moi bien faire mon cœur. Eh, femme, son cœur est chaud. Je vais appeler Balouna Balou, c'est un bété. Balouna Balou. Voilà, j'appelle Balouna. Un bété. Ça, il doit aussi être en boule. Balou, c'est un bété. Ça, il est énervé, où il est là, il est énervé. Regardez, hein. J'appelle Balouna Balou, il doit être en boule. Écoutez, regardez seulement. Écoutez, Balou. Bonjour, président. Bonjour, président. Comment vous allez? On m'appelle, bonjour, ensemble. Ok, d'accord. Bon, Balou, il est dans le transport. J'ai appelé Charlie Lohoun. Balou, il est dans le transport. J'ai appelé un autre bété, là. Charlie Lohoun. Voilà, je l'appelle. J'appelle un bété, parce que les bétés n'ont pas encore parlé. Ça, les bétés doivent être en boule. En fait, camarades, vous voyez, ces papiers-là, on dit accueil et installation, 7h30 à 9h45. Accueil et installation des invités. 10h à 10h15, arrivée des chefs d'État étrangers et des hautes personnalités, suivies de leur installation. 10h30, arrivée de son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et de la Première Dame Ouattara. 10h45, installation de la Première Dame, des chefs de l'État, haute personnalité de la santé, de la salle d'audience. 10h50, introduction du maître de cérémonie. Le maître de cérémonie, c'est celui qui dit le cadre de la cérémonie. Ensuite, 11h50, il ne décroche pas. Je vais appeler qui est bêté encore dans le groupe là. Bois Didier, elle est butée. Non, Naomi. Naomi, elle est guérie. J'appelle Naomi. Naomi, j'appelle Naomi. Naomi, elle est. Attendez, j'appelle Naomi. Naomi, elle est guérie, hein, Naomi. Naomi veut t'aider. Voilà. J'appelle Naomi. Voilà, j'appelle maman Naomi. Elle est guérie. Je l'appelle. Bonjour, camarade. Alors, Naomi, elle est toujours en ligne. Bon, j'appelle Mataba. Mataba, elle est guérie aussi. Mataba. Voilà, j'appelle Marta. Voilà. Bonsoir, Soro Tomé, tu vas bien? 11h55, installation des membres du Conseil constitutionnel. 11h00, ouverture de séance. Et puis bon, ça a commencé la séance. Dans la séance, en bas là-bas, on dit Ouattara doit dire devant le peuple là-bas, on a bon point. Bonjour!
Je t'appelle, je vais te mettre en direct, hein, pour que tu parles à ton peuple, pour leur dire que la travestiture de Ouattara, là, le président Bédié dit, Ouattara a été investi à 6%. C'est-à-dire, si on fait un calcul, sur 26 millions d'Ivoiriens, il y a 2000 personnes seulement qui aiment à faire de Ouattara. Donc, je peux te mettre en direct? Non, je dormais même quand tu as appelé. Hein, tu dormais. Mais depuis là, il n'y a pas encore eu de guéri. Oh. Donc, il dit que tu n'as pas eu le message en guéri. Mais si tu dors, donc je fais comment? Donc là, tu es en direct. Oh. Oui, là, je suis en direct. Bon, écoute, non. Faut dormir. Tu dis quoi? Non, faut dire à tes parents parce qu'aujourd'hui, moi-même hier, j'étais énervé. Parce que je dis, c'est pas normal que les Ivoiriens laissent Ouattara s'investir. Mais avec ce que le président Bédié a expliqué en haut et en large, bonjour, Doyen Kwadjo Eric Kwaku, a expliqué en long et en large, le président Bédié dit, plus de 90% ont boudé Ouattara. Ça veut dire que peut-être ceux qui ont voté Ouattara, ils sont 5 ou bien 6%, avec tricherie. Les cas d'électeurs là, même 20% même, ils n'ont pas pu tout retirer. Donc ça veut dire que Ouattara n'est pas légal, n'est pas notre président. Le président Bédié a dit ça. Donc, au lieu que nous, on se focalise sur une investiture qui n'est qu'une cérémonie de voleurs et puis d'animaux domestiques. Il faut qu'on se concentre sur le fait de chasser Draman et sa horde d'animaux domestiques de notre pays. Donc, ce que je veux que tu dises, il faut dire à tes parents qui sont énervés, comme toi, comme moi, comme Edith Denéa et autres, que le plus, c'est-à-dire le combat qu'on doit garder là, c'est chasser Ouattara. Tu comprends un peu? Oui, oui. Voilà, parce qu'au début, moi-même, j'étais énervé. Parce que moi, pour moi, je dis si Ouattara s'est investi, c'est une foutaise. Mais avec le développement du président Bédié et les Gbagbo, tout le monde, ce qu'ils ont fait, et puis Bédié a lu là. Moi, je pense que c'est plus intéressant qu'on cherche maintenant à chasser Ouattara. Comme Bédié dit, bientôt, il y aura une marche. Donc, il faut expliquer à nos parents que la marche là, il faut que tout le monde s'implique dans tous les villages, dans tous les campements. Et qu'aujourd'hui là, c'est Draman, on doit chasser. Voilà. Ce qu'il fait là, quelqu'un va s'investir dans sa cuisine, Mataba, où tu es là. Si quelqu'un est dans sa cuisine, fait une investiture, est-ce que ça te concerne? Mm-hmm. Voilà, c'est le message que tu veux passer le message? Ok. Je te mets en direct. Camarade, je vous présente Mataba de la Dream Team. Wow, mon téléphone est éteint. Ce téléphone n'aime pas mon affaire. Bon, bref, Ivoirienne, je pense que j'étais assez long. En fait, c'est cet un dégamage. Mais le message que je voulais passer, c'est de vous dire quoi. Moi, il y a quelques jours en arrière, j'étais très énervé. C'est-à-dire l'idée même, comme l'a fait Edith Denéa, l'idée même de savoir que le chef des animaux domestiques va se faire investir là. Voyez-vous de la vérité, mon âme n'a pas accepté ça. C'est-à-dire que je ne supportais pas. Je n'ai tellement pas supporté que quand le président Bédié est sorti là, j'ai écouté son direct plusieurs fois avant de comprendre le sens de ce qu'il voulait dire. Et quand j'ai capté le sens de ce que voulait dire le président Bédié, j'ai compris qu'en réalité, ce n'était plus une histoire des partis politiques. Parce qu'au départ, les hommes politiques, ils n'ont que parlé de leur parti politique, de CNT, de... Moi, ça m'énervait tout ça. Mais quand j'ai compris que c'était un débat national, un dialogue national, et que le président Bédié dit, ce n'est plus un tête à tête, il dit, on dirait le président Bédié, il parle comme nous, hein. Et puis j'ai écouté, j'ai réécouté, puis j'ai compris que, à ce stade-là, si le président Bédié n'a pas cité la France, si le président Bédié n'a pas cité la CDAO, si le président Bédié n'a pas cité l'Union africaine, et qu'il a cité juste un secteur de l'ONU, c'est que ça devait être intéressant. Et puis j'ai réécouté, j'ai dit bien. Il faut que j'explique aux Ivoiriens en fait ce que le président Bédié dit. Le président Bédié dit que Ouattara n'est plus notre président. Il a expliqué que sur une base d'élection, il y a eu plus de 90% d'Ivoiriens qui ont vomi Ouattara. Ça veut dire que les élections de Ouattara, ça tourne entre 92 et 0%. Donc, les Ivoiriens de la majorité n'ont pas choisi Ouattara en tant que futur président de premier mandat de troisième constitution, je ne sais comment ils appellent ça, bref. Alors, avec cette réalité-là, Ouattara
ne peut pas se prévaloir à aucun moment d'être non seulement légal et légitime. Et puis, ce qui me met plus à l'aise, c'est que quand... Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte celui-là. Oh, ce téléphone-là, hein? Bon, je ne peux plus appeler là, c'est plus appel. Quand le président Laurent Gbagbo a fait son investiture, les gens comme Ouattara, là, ils sont venus après le président Laurent Gbagbo pour insulter le président Gbagbo. Ils disent que l'investiture du président Laurent Gbagbo n'est pas crédible. Aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes. Ah, Ouattara, le Conseil constitutionnel a investi le président Laurent Gbagbo comme étant président de Côte d'Ivoire. Draman et la France, eux disent qu'ils ne reconnaissent pas le Conseil constitutionnel. Donc quand j'ai fini de regarder tout ça là, j'ai dit, mais moi-même là, j'étais énervé. En fait, j'étais énervé pour rien. Parce que si des Almoravides, comme les Draman là, ont pu démettre un président constitutionnellement imposé, un président que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi. Mais eux-mêmes là, dans leur connerie, ils disent que le président Laurent Gbagbo a eu 42%. Dans leur bêtise, dans leur connerie, ils disent que le président Laurent Gbagbo a eu 42 ou bien combien de pourcentages. Bon, si le président Gbagbo a eu le pourcentage qu'eux ils disent là, entre 42% et puis 8%, qui est légal? Camarade, regardez. Matin, j'ai fait un calcul, je vais reprendre le même calcul avec vous. Regardez. Regardez, hein. On va faire, regardez. 26 millions d'Ivoiriens. 26 millions d'Ivoiriens. Multiplié par 8. Divisé par 100. Ça donne 80 000 Ivoiriens. Ça donne 2080 000. Donc ça veut dire que sur 26 millions d'Ivoiriens, il y a 2080 000 Ivoiriens qui ont voté pour Ouattara. Mais et puis, les 26 millions d'Ivoiriens là, il y a les enfants, il y a les bébés dedans. Hein. Oh, les bébés ne votent pas. Hein. Voilà. Écoutez bien. Dans les 26 millions d'Ivoiriens que j'ai mis, c'est-à-dire que j'ai mis dans la globalité là, il y a les bébés dedans. Les bébés ne votent pas. Il y a les enfants de moins de 18 ans. Eux-mêmes, ils ne votent pas. Il y a des filles dedans. Dans les 26 millions là, il y a les Ivoiriens eux-mêmes là. Et les gens ne leur disent rien. Donc eux-mêmes n'ont pas voté. Ça ne les intéresse pas. Il y a des mamans là. Elles sont vieilles. Ça ne les intéresse pas. Mais j'ai mis tout ça ensemble. Quand je mets tout ça ensemble, c'est-à-dire ceux qui ont voté Draman là, ça fait 2000. Ça fait 200. Non, ça fait. Pardon, excusez-moi. Ça fait 280 000. Non, pardon, ça fait 208 000. Non, 280 000. Sur 26 millions d'Ivoiriens qui ont fait les élections, il y a 280 000 Ivoiriens qui ont voté Draman. Mais toi, 200... Non, pardon, excusez-moi. Hey, maître, oh. Vous voyez, c'est les chiffres. En fait, c'est les chiffres. Excusez-moi, c'est les chiffres. Hein. Excusez-moi, en fait... Sur 26 millions d'Ivoiriens, il y a 2 millions 80 000 Ivoiriens. Pour ne pas dire, bon, écoutez, je n'ai pas dit des Ivoiriens parce que plus eux, ils sont des animaux de la forêt. Et puis les animaux de la brousson, Pour là, je ne veux pas savoir si c'est vraiment des Ivoiriens, bref. Sur 26 millions d'Ivoiriens, il y a eu 2 millions 80 000 Ivoiriens qui ont voté pour Draman. Frère, le président Laurent Gbagbo, eux, ils disent, les Dramana, la communauté internationale, les Young Guichols disent qu'ils ont voté Gbagbo à 40, combien de pourcentages? Mais le Conseil constitutionnel a investi le président Gbagbo. Eux, là, ils sont venus s'investir après pour effacer ce qu'il a fait. C'est pas grave. Maintenant, lui-même, là, c'est 2 millions 80 000 Ivoiriens qui l'ont voté. Entre lui et puis le président Laurent Gbagbo, que hier, il a travesti l'investiture. Qui est légitime, qui est légal? Frère, ce que Draman fait là, ce n'est pas une investiture, c'est une travestiture. Ce que Draman fait là, ce n'est pas une investiture, c'est une travestiture. Ça veut dire quoi?
quelqu'un qui va se cacher dans sa cuisine. Quelqu'un. Merci Jean Anthony, merci Alexandre Kwame. Quelqu'un qui va se cacher dans les jupons de Eve Nouvian Draman Ouattara. Quelqu'un qui va se cacher sur le pèlerin de son bureau à la présidence pour faire investir, frère. Même si on est bête, même si on est sauvage, comment moi, quelqu'un comme ça, je vais m'inquiéter de quelqu'un qui va se cacher dans ses toilettes, dans sa cuisine pour faire investir. Ivoirien, Ivoirien, j'ai fait juste ce petit dégâts pour vous dire. Je sais que votre cœur là vous brûle. Anderson, Anderson dit c'est, deux, c'est 25 000 qui ont voté. Anderson, frère, vous voyez, en fait, on s'est fait du mouron pour rien. On s'est fait du mauvais sang pour rien. Draman Ouattara, le président Bédé l'a dit. Dès l'instant où même 20% des cas d'électeurs, ils n'ont pas pu retirer. Ceux qui ont boudé Ouattara, ils sont plus de 90%. Ça veut dire que Ouattara, on peut lui concéder 8%. Donc, c'est 2 80 000 Ivoiriens qui ont voté Ouattara sur 26 millions d'Ivoiriens. Je dis Ivoiriens parce que vous comprenez l'affaire. Voilà. Camarades, Ivoiriens, je vous demande pardon. Ne pleurez plus chez vous. Ne pleurez plus. Concentrons-nous sur le pays de Bernard Bédé. Quand le président Bédé va dire pays là, d'abord on va comprendre que ceux qui l'ont voté là, et nous là, on n'est pas la même chose. Voilà. Donc, j'ai fait juste ce dégommage pour dire à mes compatriotes, Étienne Méchisédek, merci d'avoir intervenu. Attends, je ne comprends pas ce truc là. Excusez-moi, donnez-moi un instant. C'est quoi ça? Désolé, camarade. Le téléphone est propre au travail. Il déconne trop. Souvent, quand tu as un bon truc, il dit un vilain téléphone comme ça. Je ne sais pas ça. Ça, c'est. Ils ont dû corrompre mon téléphone. Excusez-moi, Alassane a corrompu mon téléphone. Il ne veut pas bien travailler. J'ai cherché le téléphone parce que le téléphone, il est corrompu. Un téléphone corrompu comme ça. Moi, si quelqu'un travaille avec toi, tu fais, je sais quoi ça. Un téléphone corrompu comme ça. Je vais t'amener à la rue de Pic. Tu es malade. Alors de la dénoir, ou mal au balik, face à façonnier. Voilà. Donc, camarades, c'est pour vous dire, Ivoiriens, Ivoiriennes, tous ceux qui sont énervés, tous ceux comme moi qui étaient fâchés contre l'investiture de Ouattara, ne vous fâchez plus. En fait, ce que Ouattara fait, on appelle ça un barreau d'honneur. Ouattara est en train d'aller mourir. Ouattara, ça va mourir. Donc, comme... Bonjour, Bédo Bozaï. Ouattara, ça va mourir. Frère, Ouattara que vous voyez là, il s'en va mourir. Comme il a mis bombe sur lui, qui ne veut pas mourir seul, le président Bédié dit, on n'a qu'à rester dans notre coin, on va laisser Ouattara mourir en paix. Donc laissons Ouattara mourir en paix. Ivoirien, Ivoirien, où on est là, on ne sait pas où ça se passe. Bictogo dit, ils vont faire ça dans la cuisine de Ouattara à la présidence, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans les jupons de Nouvian, au-dessus de ça, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes des éléphants, nous sommes de la forêt. Ouattara est un cheval. Il va faire l'investiture avec
Les gens de France, ils sont de quel, c'est quel animal? En France, camarade, l'emblème de la France, c'est quoi? Le coq, animal domestique. Emblème du Sénégal, de Burkina, c'est quoi? Cheval, animal domestique. Adjumani, porc, animal domestique. Donc, ce n'est qu'une invention d'animaux domestiques. Nous sommes des éléphants. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un éléphant va faire dans l'investiture d'un animal domestique? Ça ne nous concerne pas. Moi-même, j'étais énervé. J'étais fâché. Mais quand j'ai su que l'investiture, c'est investiture de 2%, 3%, 4%, 8%. Quand j'ai su que l'investiture, là, il n'y avait pas de destination, que les gens vont faire ça dans une cuisine, moi-même, j'étais découragé. Donc, Ivoirien, concentrons-nous sur ce que le président Bédia a dit. C'est mieux. On y va. Bon. C'était un petit dégommage, c'est pas important ce direct-là. Hey. Excusez-moi. Hein. Ouh. Oui, non, il a compris. Ouattara attend le langage de la violence. Il attend le langage de la violence. Mais il, comme il a mis une bombe sur lui, il veut nous tuer tous. Il va s'exploser lui seul. Son langage, c'est lui seul, il va comprendre. Voilà. Ok, camarade, donc merci beaucoup. Mon téléphone se va à l'école. Juste vous dire que il paraît que demain, il y aura une travestiture. On ne sait pas dans quoi. On dit c'est à la présidence. On dit c'est reporté. Vraiment, on ne sait pas où ça est. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, soyez concentrés. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos yeux. Le président Henri Konan Bédié dit, Ouattara n'est plus notre président. Quand il va donner la date là, que la Côte d'Ivoire saute. Bonjour, Kairos, Kairos. Mes respects. Quand le président va dire, mais il va dire payer là, le reste là, moi vous allez voir. Quand il va dire payer là, vous allez comprendre comment les Ivoiriens réagissent. Le reste, c'est pas important. Voilà. Oh, vraiment. Bon, allez, ciao, ciao, on est ensemble, les gars.